Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Ça y est, le réveillon de Noël est enfin fini. J'ai trop mal à la tête, moi. Alors non, pas, non. Alors pas parce que j'ai bu, hein, mais parce que je viens tout juste de terminer de lire les consignes du gouvernement. Garder son masque quand on ne mange pas, ne pas goûter les plats, garder les portes ouvertes pour ne pas toucher les poignets, désinfecter les couverts, servir dans des verrines, s'asseoir en quinconce, ne pas se passer les plats, mettre le nom sur les verres, putain, même la checklist pour faire démarrer un Boeing est moins compliquée. Hein. Moi, j'ai ouvert les fenêtres toutes les 10 minutes, hein, comme ils nous l'ont demandé. On va tous mourir d'une pneumonie, on sera bien avancés. Hein. Chanter aussi, c'est interdit. Ah, la gueule de la fiesta à minuit avec les grands-parents. Il est né, le divin enfant. Comment ? Il est né, le divin enfant. Hein ? Il est laid, Gérard Lenormand. Putain, non, mais c'est bon. Bon, bref, en tout cas, Covid ou pas, voici le top des phrases que vous avez certainement entendues hier soir. Ce soir, il passe le Père Noël. Ah bah vu comment ton père est déjà bourré, ça sera plutôt demain, mon chéri. Mais tonton, on le met où le cordon pour recharger la batterie? C'est un livre du con. Mamie, c'est une invitation pour une thalasso. Voilà, tu feras des bains de boue, ça t'habituera à la terre. Oh, un moule à glaçons en forme de pénis. Fallait pas. Vraiment, hein. Ben, ma chérie, pourquoi tu m'as demandé de t'offrir une calculatrice? Parce que ça me fera au moins quelqu'un sur qui compter. Hein. Mais enfin, pourquoi t'as acheté une boîte de jeux des chiffres et des lettres à ton fils? Il voulait une console. Oh, je croyais qu'il voulait une consonne. Pour ma mère, c'est décédé. Tu crois qu'elle aimera? Ta mère? Décédée? Non, si seulement. Ah bah moi, de mon temps à Noël, les enfants, ils avaient qu'une orange. Ah bah une orange par enfant, c'est suffisant, si on vise bien. Chérie, sur la boîte de Pulse que tu m'as offert, c'est écrit 15 ans et plus. Je suis sûre que je mettrai moins de temps pour le faire. Enfin, pourquoi tu m'as offert ce livre? Ah bah je sais pas. À la librairie, quand elle m'a demandé de quelle hauteur, j'ai répondu 20 cm, elle m'a donné celui-ci. Oh, bah ça craint trop, hein. Ma mère a offert un vélo à mon père et je viens de le retrouver sur un site de revente. Le vélo? Non, mon père. Bon bah voilà. Bref, écoutez, si vous avez évité les sujets sur les vaccins, Didier Raoult, la chasse, Macron, les gilets jaunes, Xavier Dupont de Ligonnès, la police, le Covid, la 5G, les véganes, l'écologie, la fourrure, bref, si vous avez évité tous les sujets, je suis sûr que vous avez passé un très bon réveil.